Notre petit Chenchi est un voleur, mais il vend des démoniques. Ça m'évitera de les faire et ça me donnera de la redstone assez rapidement, même s'il a pas pris le temps de le remplir et de l'améliorer. Je l'achète. Hein? Oh bah cool. Rigolo. J'en ai mis deux, il m'en a rendu un. Bon bah c'est bien. Finalement. Bah. Qu'est-ce qu'il a fait? Lapis sérum. On va pas lui voler ça, mais c'est bizarre. Beau 5, pollen, j'en ai. Qu'est-ce qu'il vend d'autre? De la yuyu. On va en faire bientôt. Et puis il m'en a déjà donné pour d'autres choses. Très bien. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fifoux et bienvenue dans l'épisode 21 de l'Imperial Training Cube. Alors je suis en train de booster un peu ma production de miel en y mettant... comment ça s'appelle? L'Honey Drew. J'en avais plein, plein, plein. Alors j'ai pris ce qu'il y avait au-dessus de 3000 et à la main je le mets là-dedans et ça booste pas mal. J'en suis presque à ma quatrième grosse ruche et du coup après ça devrait aller mieux. Et petit à petit. J'aime beaucoup ça. J'ai mis du bois de chisel en panel. Et j'ai mis une porte en spruce. Parce que maintenant, on peut faire des portes vraiment dans tous les matériaux. Voilà. Alors, les recettes sont assez marrantes. Alors, il y a les bois que j'ai pas encore, évidemment. J'ai vu spruce quelque part. Bon, je sais plus où je l'ai trouvé. Voilà, spruce. Voilà, c'est juste un peu différent au niveau de la recette. Mais elles sont toutes pareilles. Voilà, c'est très très bien. Ça, je pense que c'est extra tri. Bah voilà. Formidable. Donc, j'aime bien. Ça fait une espèce de. J'aime bien. Moi, ouais, j'aime bien. Encore quelques demi dalles. Est-ce que j'ai assez? Ouais. Largement. Il en manquait 8. C'est parfait. Toc. Mise à jour, et voilà. Et voilà, la quatrième. Donc à chaque fois, je refournis avec des Proven Farm. C'est beaucoup plus simple qu'avec Logistics, parce qu'en fait, comme il bourre pas l'inventaire, si c'est pris, nickel. Il n'y a pas besoin de mettre des guettes et des machins et des trucs. Donc il y a des choses pour lesquelles Logistics c'est bien, et des choses pour lesquelles Applied est beaucoup mieux. Et lycée de Versailles. Alors j'aime bien, c'est qu'on peut mettre les demi-dalles du bois qu'on veut. Je sais pas si on peut les mélanger, tiens, j'essaierai. Faire des damiers des différentes couleurs, ça pourrait être marrant. Voilà, donc ici j'ai remis à tourner pendant ce temps-là mes abeilles naturelles et on va foncer. Alors je suis toujours envahi d'Enderman, c'est terrible. J'ai beau viser les pieds, mais quand on vise les pieds, en fait ils sont assez proches pour nous taper dessus. Du coup, j'arrête pas de recharger ma combinaison parce que chaque fois qu'il tape, évidemment, les dégâts sont pris sur l'énergie de la nanosuite. Alors j'ai modifié le piège pour voir si ça les empêchait, ça les faisait mourir directement. J'ai suivi le conseil de l'un d'entre vous, je sais plus qui. C'est encore pire. Alors, ça n'empêche pas le grinder de fonctionner, l'eau, mais bon. Moyen. Donc on va se lancer très vite, tout de suite, dans le tiers 3 d'extra bise pour finir ça. Alors le tier 3, on va prendre l'isolator pour commencer. Je vais avoir besoin de 5 génétiques machines parce qu'elles sont toutes fabriquées autour de la génétique machine et de 5 apiaris machines. Donc faut que ça, c'est facile, hein. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Alors c'est bien, c'est que je replace même pas le query. Parce que c'est les spoil bags, j'ai qu'à les ouvrir. Hop. Et ça, je sais pas si c'est ça. Voilà, il me faut 5 trucs comme ça. Ça, c'est du bronze. Bon, dans le carpenter, pas sorcier. J'ai tout ça, du bronze, de la redstone, and the carpenter à flotte.
Alors on est presque bon au niveau de la nouvelle config, donc je vais pouvoir mettre, après cet épisode, je mettrai le blog à jour directement. Et 5, voilà, on peut enlever tout ça. Toc, toc, hop. C'est formidable. Tink. Ah, qu'ai-je oublié? Ça, ah c'est ça, d'abord. Non, j'ai oublié de faire celle-là. Ah oui, j'ai oublié les basic boards. 5 basic boards bleus. Tin et redstone. Ok. Tin. Et hop. Tout, 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 tout. Et 5. Parfait. Je pourrais en faire plus pour en avoir d'avance, mais bon. On aura le temps de voir ça plus tard. Donc je veux ça. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons nos 5 génétiques machines. Donc la première. Ah, il faut les advanced. Il faut toujours quelque chose en plus. Voilà. Donc la première, c'est donc l'isolateur. J'espère que j'avais assez d'émeraudes. La suivante, c'est le purificateur. Voilà. Aïe! Ah, je sais pas si on peut le faire avec les autres larmes. Il manque plus que... Ah oui, il manque ça déjà. 4. Ah zut, il va falloir que j'aille dans le nether. À moins que ces larmes-là veuillent bien y aller. Et hélas... Non! Elles servent à rien, ces larmes. À quoi elles servent? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Oh! Faire les potions. Or dictionary. Ah, mais si, on peut les changer. Ah! Où c'est qu'il est le dictionnaire? Non, c'est pas dictionary, c'est... Comment il s'appelle le bouquin? Non, c'est le bouquin bleu. On ne peut pas écrire bouquin bleu et puis nous le donnerait. Ça serait un progrès. C'est pas. Ah, comment il s'appelle? Le truc qui vient comme Nitool. Dictionary. J'ai fini par m'en souvenir. C'est le Forge Lexicon qui se fabrique avec, évidemment, de la laine Sion. Juste pour m'embêter. Alors, j'ai de la laine grise. Si j'en ai, je sais que j'en ai au moins un morceau. Ici. Tuc. Ouais. Et je sais que j'ai dans le V-chest ma minium stone. Tac, 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 tac. Sion. Ouais. Gagné. Hop, hop, hop. Parfait. Alors, avec cette chose, est-ce que je peux transformer mes tears? Tears. Mais il écrit n'importe quoi, le gars. En larmes de ghast. C'est shift-click. Là. Ghast tears. Disconversion is disable. Ah, ça m'aurait étonné. Je me disais aussi, ça va être trop simple. Et ça l'est. Bon, et ben. Il me faut un beau. J'ai que l'embarras du choix, là. Punch un. Ok. Des arrows. Hop. Et on va aller où? On va aller dans le nether. Bon, je vais recharger ma combinaison quand même. Et on va aller à la chasse au gaz. Ça ne devrait pas être trop long. Non, c'est là-haut. Ah là là. J'aime beaucoup la nouvelle interface des MFSU, là. Très pratique. On n'est pas obligé de se mettre à poil devant sa MFSU pour recharger. On peut prendre les éléments un par un.
Alors, je vais profiter de cette porte qui a spawné juste en face de chez moi, là. Pouf! Et on va voir ce qui se passe. À la chasse! Oh, bah, y a déjà un tonton qui est tombé dedans, disons. Voilà, merci pour la laine. Là maintenant, la chasse au ghast. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau ça? Qu'est-ce que c'est? Non, cinnabar. C'est drôle, il était plus rouge que d'habitude. Ah, ils sont marrants tes textures. Un petit bug peut-être. Non, bizarre. Tiens. C'est peut-être fait exprès. On est là pour les ghasts. Au passage, je vais prendre un peu de quartz et de glowstone. Vendu, mais qu'est-ce que c'est que ça? On peut les tuer, ces trucs-là? C'est des creepers tout rouges. Et ça, c'est quoi? Des cochons? J'ai un bug avec mes textures ou quoi? Oh! Est-ce que c'était des zombies pygmènes? Nouveau modèle? Tiens, qu'est-ce qu'ils m'ont droppé quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Il y a plein de nouvelles choses. Ça alors. Bon, bah découvrons. Oh my god. Une araignée où on prend feu quand elle nous touche. Qu'est-ce qu'elle drop celle-là? Oh, des ficelles de feu. Waouh. Bon, déjà deux larmes, plus qu'une. Oh, flame string. Somewhat more durable than string. Bon. Super cool. Plein de trucs géniaux. Bon, encore un ghast. Un petit dernier. Découvert encore quelque chose. Des plantes lumineuses. Ça pourrait peut-être être pas mal. Les chests. Alors, on va prendre ça et on va ranger le reste. Hop, de toute façon, j'ai mes trois là, trois larmes. Aïe, on peut pas le ramasser avec ça. Si. Ouais, bah, je vais m'en prendre un peu de ça. Mais j'ai l'idée que c'est peut-être poison ou quelque chose comme ça. On va faire attention. Mais si ça éclaire, ça peut être un bon truc d'éclairage. Je vais essayer d'en ramasser plein. Et de les faire pendre au milieu dans ma tour. Oh ouais, ça pourrait être bien au plafond. Est-ce qu'on peut marcher là-dessus? Non, elle est tombée. Bon, je ramasse le plus que je peux et je rentre. Ah, c'est cool, avec les super strings, on peut se faire des super arcs qui durent plus longtemps, donc. Ah, pas mal. On essaiera ça. Faut que je finisse de ranger mon inventaire et je continue avec les machines. Donc, le purifieur. Alors, pour l'inoculateur, il faut des empty sérum vial. Comme il va m'en falloir pas mal, je vais carrément programmer la recette. Ça sera beaucoup plus simple. On va ranger ça après. Oh, ouais, je vais le mettre en place tout de suite. Voilà, alors, j'ai commencé à ranger un peu tout ça. Ici, le vanilla. Ici, tout ce qui est IC2. Je me suis fait des coins. Des crédits, pas des coins. Pour échanger avec les autres. Sinon, on échange beaucoup à la main, en fait. Voilà, j'ai programmé tous les carpenters. Je vais voir après. Normalement, c'était pour faire apply d'ici. Mais peut-être qu'après, je vais me faire une page. Ça me permet de les trier un peu et de savoir où j'en suis. Et un inoculateur. Un réplicator.
Et pour le synthétiseur, car il est l'or, il est l'or. Bon, c'est. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ça, je veux ça. Il n'y a plus de glace, peut-être. Non, il n'y en a plus. Du sand. On va faire cuire du verre. Mais attends, mais le glas, je l'ai programmé. Craft. Allez, on va en faire. 1, 2, 3, 4. Begin. Yes. C'est parti. Et voilà qui est fini. Mettons tout ça en place. L'isolateur. Hein? Ah oui, très bien. Le réplicateur. Le synthétiseur. Le purifier. Et l'inoculateur. Bon. Alors, ça c'est... zéro charge. Si, ça marche. Ça se vide, en fait. Mais ça se voit pas. Bon, ok. Petit bug encore. Pourtant celle-là se vide. Celle-là aussi. Bon, on voit pas les autres, mais j'imagine qu'elle se vide. Donc c'est la jauge qui est pas active. Donc c'est pas grave. Donc j'ai tout. Donc ceux qui ont des réservoirs, il faut que je leur mette la source d'ADN pour remplir. Donc celui-là, celui-là aussi, et celui-là aussi, je crois. L'inoculateur, non, l'inoculateur, on met le sérum. Ok, donc il y a ces deux-là, et le celui-là, je crois qu'il n'y a pas besoin non plus. On ne sait pas trop. Je m'en sers pas souvent, là je vais peut-être m'en servir pour les échanger avec les autres, les sérums. Donc il y a au moins ces deux-là. On va peut-être utiliser des Undertons. Non, je pense qu'on peut utiliser carrément un liquide Tesseract. Et puis j'en ai encore un. Bon, et par contre, il faut mettre une source. Je crois pas que je l'ai faite. On va regarder. J'ai fait l'entrée. Je sais plus où je l'ai mis. ADN, ADN, ADN. ADN? Je l'ai pas fait. Ah non, parce que ça rentre directement dedans. Ok, donc faut que je le fasse. Ah oui, parce que... là-bas, c'est juste au-dessus du réservoir. Donc, je suis descendu direct. Avec des liquiducts dans le réservoir rose. Donc faut juste que je fasse une sortie. Donc il me faut un autre liquide Tesseract. Et des liquiducts. Ah, au passage, les portes fonctionnent. Eh ouais. Nickel Chrome, j'ai pu utiliser Red Logic de Imibis qui remplace Red Power et Nickel Chrome, une petite note gate par en dessous. Et on peut cacher avec des covers. Voilà. Et c'est beaucoup plus simple qu'avec les RedNet et ça marche Nickel Chrome. Puis remettre mes plaques de pression Iron Plate là. Avec la bonne texture, comme ça on les voit à peine, et ça marche. Donc j'en ai deux identiques. Voilà. Et ça prend pas de place, quoi. C'est ça qui est bien. Ça prend rien. Hein? Direct. Super. DNA, ça me paraît très bien. Send only. C'est bon, il est actif. Un petit coup de clé à mi-molette. Hop. Hop, j'en ai pas beaucoup un DNA encore. Hein. Pas assez de grosses ruches qui tournent. 10 sauts. Va falloir améliorer très vite ces abeilles. Surtout en fertilité. Je sais plus laquelle fait ça. Ça arrive, hein, ça marche, mais. Bon, c'est que des drones, alors évidemment. Je devrais peut-être jeter un peu. J'ai au moins une centaine de princesses en trop que le quarry m'a ramené. Pas grand chose, Disso. Après la vache sauteuse, le zombie sauteur. Allez, hop! Donc ce pépère-là. DNA. Receive only.
Ça marche comme ça. Il faudrait remplir également le purifier. Alors, ce que je me demande, c'est ça. Ça marche. 80%, mais c'est parce qu'à mon avis, il n'y a plus de seau. Ça a changé, ça. C'était pas comme ça avant. Ok. C'est pas si mal. On peut mettre un cache là-dessus. Il y aura ça au milieu. Ça, pas besoin de DNA. Et ça, je crois non plus. Parfait. J'ai commencé à mettre des lampes Bibliocraft. C'était dommage, je trouve que le jaune est un petit peu trop jaune. Mais par rapport aux machines, c'est pour ça que j'avais fait un test sans avant d'en faire d'autres. Et je trouve que... Bon, ça ira assez bien, je pense. On va donc prendre des fioles et on va commencer à s'amuser un peu. On va se refaire quelques lampes. Ça, c'est bon. J'ai plus qu'à couper ça en deux. Avec ma petite scie, j'avais ça en stock. Voilà. Ça devrait être très bien. Ah, les fioles. J'ai oublié les fioles. Les fioles. Je lui en ai demandé un stack, il en a fait moins. Non, je m'en suis servi dans les recettes, c'est pour ça. Et c'est stackable que par 32. Ok. Bon, c'est pas grave. Si déjà on fait 32 caractères corrects, ce sera très bien. Alors, est-ce qu'on peut fermer là? Là. Là. Nickel! N'est-ce pas une belle salle d'abeilles? Alors on peut les colorer les dessus, peut-être qu'il faut le faire d'une couleur, je sais pas, bleu ou rose. Ou brune. À voir. Bon, c'est pas tout. Un petit fial sérum. On va aller chercher quelques abeilles. Ah mais j'en ai. Suis-je bête? Ah non, commence pas toi. Je me suis fait un petit... Voilà, un Pierre Isbag. Et là... Oh. Faut vraiment que je trouve qu'il y a un moyen. Je crois qu'il faut mettre que de la soul sand, en fait. Je trouve, je vais réfléchir à ça. Donc, dans la Pierre Isbag, j'ai déjà prévu quelques trucs. Je propose d'analyser déjà tout ça. Les diligentes, les marchés, récupérer à chaque fois... tous les bons caractères, et le reste, on pourra en faire du DNA. Alors, j'ai dû remplacer le Hooper Vanilla par un chute, parce que quand je mettais à stériliser les fioles dont je veux pas, elles disparaissaient, au lieu de rentrer dans le four. Avec le chute, ça marche. Ah, Marchi, enfin. Allez donc, j'ai bien cru qu'il allait jamais venir, celui-là. Allez, stop. Et ça, poubelle. Ah, évidemment, au moment où j'enregistre. Bien. J'avance pas mal. Ça fait déjà à peu près une heure et demie. J'ai isolé plein de caractères. Je suis en train... Valiant, Rocky, Marchi... J'ai pratiquement tous les caractères que je voulais. Cave, Rainfall, Nocturnal, Normal Fertility. J'espère avoir un High Fertility. J'ai du mal à l'obtenir. Comme j'ai gardé tous les croisements possibles, normalement c'est sur les Majestics qui a le High Fertility Serum. J'essaie de le trouver. J'ai le Long Life et j'ai Fast Productivity. Il doit y avoir mieux que ça. Il y a Elongated, mais enfin c'est déjà pas mal. Beatific Effect, j'ai récupéré. Je garde les pollinisations au cas où. J'ai trouvé le fast flowering, ça c'est bien. Ça veut dire que ça va bien polliniser. C'est ça. Pour l'instant, j'ai que le default territory avec les end. Mais pour l'instant, j'ai que les sérums que j'ai achetés pour l'end. Ça y est, il est rempli. Unbittered que j'ai échangé à je sais plus qui. Alors, je ne sais plus lesquels des deux, c'est à Shunchi, l'autre c'est à... Craft tout. Donc j'avance pas mal. Je continue. Là, ça c'est à poubelle. À recycler. À recycler. À recycler. À recycler. Et à recycler. On va voir. Et tout ce qui a déjà été analysé ou qui n'a pas de caractère que je veux comme drone, je le mets dans la machine à ADN.
dans le gen pool. Donc je fais ça au fur et à mesure. Mais lui, il y en a encore beaucoup à recycler. C'est parfait. Je laisse ouvert ça parce qu'il y a les ruches qui tournent au-dessus. Hein. Faut qu'il y ait un peu de place. Et ils me suivent jusqu'à là. Allez, meurs, tombe. Voilà, je continue. Ah oui, j'ai pu récupérer sans problème. Je sais plus où elles sont. Voilà, elles sont là. Les unwary, qui étaient avec un petit moins. Eh ben, quand on peut isoler le caractère, c'est bon, on pourra le réimprimer à n'importe quelle abeille après. Donc si j'ai besoin d'unwary plus tard, je pourrais le refaire. Même avec le petit moins, il faut les conserver. On ne peut pas les mettre en production parce qu'on perd la princesse. Enfin, la reine meurt à la fin d'un cycle. C'est au hasard, 2-3 cycles, et puis elle meurt. Mais on peut quand même récupérer le caractère qu'on pourra réimprimer et une autre abeille après. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ouais, tropical, super. J'aurais aimé avoir le poison. Ah, mais il n'y a plus de... fuel. Hop. On met des fuel là-dedans. C'est étrange. Il neige. On aura tout vu dans Minecraft. Les vaches sauteuses, les zombies sauteurs, et maintenant, la neige. Au moins, elle se dépose pas. C'est déjà ça. Mais c'est rigolo. Monsieur Toxic. Monsieur Fifou, bonjour. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. J'ai vu que t'avances à une vitesse record. Tu m'as fait des belles choses. L'empereur est très satisfait de toi, ah, j'ai entendu dire. Je suis très fier de satisfaire l'empereur. C'est le but. Et on peut être de bonne grâce, c'est bien. Bah oui, les bonnes grâces de l'empereur, c'est la garantie de nouvelles aventures en perspective. Alors, j'ai échangé à Chunchi un sérum d'End. À Chunchi ou à Craftou, je sais même plus. À Craftou plutôt. Mais les. Bon, ça me permettrait de faire des abeilles Ender sans problème. Mais ce que je voudrais surtout, c'est le caractère qui est dessus, sur les... par défaut, sur les abeilles de l'End, qui est l'étendue de leur pollinisation, de leur activité. Alors, tu m'as dit que tu avais un couple. Une reine que je pourrais faire tourner pour faire des drones. Reine, ouais. Et on va faire un petit deal, c'est ce qu'on avait convenu hors caméra. Ouais. C'est que je les fais tourner, j'essaye de les de récupérer tous les caractères et je te rends un couple de end qui pique pas, ah, avec les bons caractères. Ça, c'est gentil. Voilà. Et puis, je te donne volontiers. Allez. Alors, vas-y, ouais, excuse-moi. Vas-y, tu peux la lancer. Hop, parfait. Donc j'irai. Non, je l'ai pas. Si. Ah, si, 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 mais elle doit être dans mon apiaris bag. Voilà, elle est là, je l'ai. Super. Donc je vais les faire tourner pour récupérer des drones. Putain, ils ont changé de couleur par rapport à avant. C'est drôle. Et dès que j'ai stabilisé et refait des trucs, c'est promis, il y a un couple pour toi. Ah, c'est gentil. Bah, je te remercie. Comme ça, ça me permettra de. Pouvoir les multiplier aussi et m'en occuper voilà. Un peu plus sereinement, sans me faire piquer. Et puis à l'occasion, t'hésites pas à poser des questions si tu veux en savoir plus sur les abeilles. Ouais, pas de problème. Je t'expliquerai avec plaisir, surtout que maintenant j'avance très très vite. Hein. Là, je me suis mis tout à l'heure, j'ai déjà récupéré la plupart des caractères que je voulais. C'est absolument incroyable. Comment j'ai ramé la première fois et comment là, c'est tout est simple. Ah, mais c'est normal, c'est l'expérience qui commence à venir maintenant, donc... Voilà. C'est facile, quoi. Eh ben, à plus tard, bon courage. Allez, bye. Ciao. Ça y est, le dernier caractère que je voulais, le sérum est rempli. Donc maintenant, je vais me faire une abeille modèle. Je vais prendre une princesse, n'importe laquelle, un drone... n'importe lequel, et je vais leur inoculer tous les caractères que je veux leur mettre. Alors bien sûr, il me manque les Longated, on verra ça plus tard. On va les mettre Boss 5 direct. On va les mettre High Fertility, j'ai pas mieux pour l'instant, mais on va essayer de faire mieux très très vite. Et comme espèce qui servirait de modèle, n'importe. Faut que j'obtienne assez vite des majestés. On pourra le faire après, mais j'ai envie de prendre carrément les méduses, les premières.
serviront de modèle. Donc je vais imprimer tout ça à ces deux abeilles. Allez, elles sont quoi déjà celles-là? Je sais même plus. Que je fasse pas des trucs inutiles quoi. Elles font qu'un môme, donc faut leur mettre. Tout ça, faut améliorer. Ah oui, bah elles ont déjà tous les caractères, nocturnal, machin. D'accord, ok. Donc ça, c'est pas la peine de les remettre. Donc je vais les travailler fast. Boss 5. On les mettra Meadows. High Fertility, tout ça, elles l'ont déjà. C'est pas la peine. Et une dernière alvérie pour se faire une autre grosse ruche. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Bah, on va faire le super reproducteur. Donc, on va faire des housing. Frame housing. Donc, je vais faire des golden electron tubes. Il m'en faut... Je crois que je vais en mettre carrément 6. Ouais, ouais. Ah, ouais, au diable avarice, hein. On va en faire 6 et je vais préparer l'emplacement pour mettre tout ça à se remplir automatiquement avec du coco à bine. J'en ai du coco. Oh ouais, j'en ai plein. Faire des super frames coco à biné. Ouais, je vais préparer. J'ai préparé un emplacement dehors, mais il faut que je fasse la cave en quartz stone. J'en ai plus beaucoup. Je vais en cuire encore un peu. J'avais pas mis le truc à cuire. Non, faut que je mette la recette. Je vais les cuire à la main, là. Je vais mettre la recette dans un four. Et puis, il y aura vite à manquer pour faire la cave. Bon, je fais tout ça. Je prépare donc 6 frame housing. Et je prépare la cave où je vais mettre ça. Et relier tout ça à applied. La ruche restera manuelle. Je pense que c'est le plus pratique. Par contre, je voudrais qu'elle se remplisse automatiquement de chocolate frame. Comme j'avais fait sur MGC, en fait. Mais je vais en mettre encore plus. J'en ai mis 4. Là, je vais en mettre carrément 6 pour voir. Pour que ça, vraiment, ça se reproduise très vite. Voilà. C'est une ruche comme les autres en apparence. Mais derrière... Plein d'housing. Alors, tout est relié. Par ici. Moi, j'ai pas encore fait les murs et les plafonds. J'ai relié à Applied. Donc, a priori, ça devrait... fonctionnariser. Donc, dans chacune de ces interfaces, je vais dire un chocolate frame. Et ce coup-ci, je vais pas oublier craft. Ouais, il l'a mise. Parfait. Et ben, je fais ça pour toutes. Donc, je vais donc avoir en permanence 6 chocolate frames dans ces choses-là. Condition qui est bien des sticks imprégnés, il faudrait peut-être que je l'automatise, ça, et du chocolat, on en a beaucoup d'avance, mais enfin, il va falloir booster. Ça sera la troisième étape, toutes nos abeilles existantes. Move, single, hein, craft. Ouais, ça marche nickel. Non, c'est instantané, hein. Hop, et voilà. C'est absolument génialissime. Donc moi je dis que quand j'aurai fini ma super médose, je la mets là-dedans et on va les multiplier. Mais on va le faire manuellement, alors on pourrait ramener, extraire, remettre automatiquement. Mais c'est pas mon but. Mon but c'est d'avoir toujours un stack et puis de reproduire, etc. etc. Et de garder le stack dedans. Et j'enlèverai à la main et je mettrai dans le tri les combes que ça créera. Mais ça créera très peu de combes parce que du coup elles vont pas rester vivantes très longtemps. Donc j'améliore cette fameuse médose. Pour finir la deuxième partie du plan abeille d'urgence. Geste d'âme, je t'ai écouté, j'ai muré le piège en me disant que peut-être les Enderman ne se téléporteraient pas s'ils n'avaient pas en visée un endroit où se téléporter, mais ils se téléportent quand même. C'est des vilains. Voilà, c'est terminé mes premières médoses modèles. Alors il en manque encore des caractères, hein, les deux qui manquent et l'ont été des... Et je sais plus quoi d'ailleurs. Et oui, et puis 4 mômes, elles en font 3 là. Donc on va, pour voir les 4 mômes, on va se refaire des majestiques, parce qu'elles ont le caractère, normalement, c'est majestique. Voilà, et puis il n'y aura plus qu'à les rendre. Alors j'ai pas allongé la vie, parce que là le but, ça va être de les reproduire
au maximum pour pas avoir à attendre devant la machine à inoculer qui est quand même très lente. Et voilà, donc le super reproducteur va commencer son œuvre. La deuxième étape étant de faire le juste à côté, bah le super mutator. Ouais. En attendant, je vais au fur et à mesure améliorer toutes mes abeilles. Alors on va voir avec 6 chocolats de frème à quelle vitesse ça va. Bon, ça va pas être instantané non plus, hein. Mais je me demande si on peut pas carrément en mettre 9. Peut-être pas quand même. On va voir. C'est drôle, la lune est passée presque devant le soleil, juste à côté. Le soleil était un peu plus par là. Mais il n'y a pas eu d'éclipse. Je me demande s'il y a des éclipses des fois. Ça serait chouette. Ça ferait spawner des monstres bizarres. Bon, c'est pas instantané, hein. Ça va assez vite, hein. Pouf, ça vient de faire un bout là. Mais c'est pas instantané. Mais enfin, ça va aller plus vite comme ça quand même. Alors du coup, je me demande si je vais pas faire une petite automation quand même. Histoire de faire tourner en boucle. Sans que j'aie à m'en occuper. Et de renvoyer les combes dans le tri. Ça va assez vite. Beaucoup plus vite. Bon, prochaine étape. Le super mutator, évidemment. Automatisé. Et d'ici là, bah, je vais améliorer toutes mes abeilles parce que j'ai du mal à avoir quand même suffisamment de miel liquide pour fabriquer les grosses ruches. Donc il va falloir les améliorer. On les a par 3. Hop, on va les booster, booster, booster. Dès que j'ai un stack, je mets n'importe quelle autre princesse. Ça me reproduit exactement à l'identique. Etc. Etc. Donc le mutator, lui, va me permettre de faire la première mutation. Donc les Majestics pour avoir 4. Maximum fertility en fait, 4 drones. Et puis la première abeille que je vais viser, ça sera les anciennes, je crois. C'est celles qui ont elongated. Alors, ça c'est facile, c'est des nobles et des diligentes. Donc, ça sera pas trop compliqué à faire. On les a déjà, on a les caractères, il n'y aura plus qu'à en faire des super qui font 4 mômes. Et récupérer le caractère, parce qu'on va le récupérer, abîmer le caractère, mais comme on va le mettre dans l'analyseur. Nickel. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt.